Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de bricolage. Donc, Non. Le bricolage, ça suffit. Tu me remballes toutes tes affaires, là. Allez, hop. Et aujourd'hui, moi, je vous présente notre dernier spot. Nous étions sur Igos Saint-Saturnin, en pleine cambrousse, près d'une chapelle. Et autour de cette chapelle, il y avait trois sources guérisseuses. Donc, vous allez venir avec moi et on va voir les bienfaits de ces trois sources. Je vous souhaite une bonne vidéo et à bientôt. Bisous! Alors, on est à la fontaine Saint-Giron. C'est dans les Landes, vers Igos. Donc, c'est là où on est sur un spot en pleine nature. Et donc il y a deux fontaines de sources à proximité. Donc celle-là, c'est la fontaine Saint-Giron. Et vous voyez, les gens viennent. Donc elle guérirait les rhumatismes et les maux de tête. Donc les gens viennent avec un petit morceau d'étoffe. Il faut tremper l'étoffe dans l'eau et mettre là où on a mal. Et après, il faut accrocher le petit étoffe pour retirer le mal. Et il faut surtout pas y toucher au morceau de tissu, parce qu'à ce moment-là, c'est nous qui prendrions le mal. Donc on est en plein cœur de forêt là. Donc si vous avez mal quelque part, des rhumatismes ou des migraines, et c'est ici qu'il faut venir. Là, j'ai fait à peu près 2 km de marche pour arriver à cette fontaine. Donc, il y a un hôtel, c'est la fontaine Saint-Jacques. Je pense que c'est un rapport avec Saint-Jacques de Compostelle, vu la coquille Saint-Jacques qu'il y a. Donc, ça, c'est un hôtel. On va aller voir, la source doit se trouver un petit peu plus bas. On va aller voir ça. Ça descend légèrement, on va aller voir ça. Ah ben oui, la source, elle est là. Donc, fontaine Saint-Jacques. Avec la coquille de Saint-Jacques de Compostelle. Je crois que l'eau est potable, celle-là. J'avais lu sur internet qu'elle était potable. Alors, on est vraiment dans les sous. Bon, c'est un peu marécageux, là. Ouh, un peu de bouillasse. Moi, j'ai essayé de pas me casser la tronche. Là, c'est tout humide là. Ah, mais il y a un beau pont. Ah, c'est trop beau, j'adore. J'adore cet endroit. Très chouette. Alors, il y a une estrade là à cette fontaine, à cette source. Une estrade en béton. Je ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font. Mystère. Dites-moi si vous savez à quoi sert cette estrade. Alors, l'environnement est vraiment joli. Donc, fontaine Saint-Jacques. C'est chouette, hein? J'ai trouvé sur internet les bienfaits de cette fontaine. Donc, l'eau est potable. Et elle a pour bienfait les verrues, pour soigner les verrues.
les maux de tête, la fièvre, des maladies de peau également. J'en ai pris une bouteille d'un litre là, et on va voir. Je vais la ramener à Stéphane. Il verra bien. C'est chouette, hein, l'environnement est vraiment super joli. Je vous montre un peu le spot où on est. Depuis deux jours, on est en pleine campagne. Il y a une route et après on est entouré de forêts. Et il y a une chapelle qui est là au milieu de nulle part. C'est sympa comme tout, c'est très calme. Et autour de cette chapelle, il y a trois fontaines. Là, on est à la chapelle. Je ne sais pas si vous voyez avec le soleil. Alors malheureusement, la chapelle est fermée. Je suis allée voir hier. J'aurais bien aimé la visiter, ça peut être sympa. Alors c'était un lieu de pèlerinage ici avant, vis-à-vis des fontaines bien sûr, où tout le monde venait se soigner. Et je crois qu'encore une fois par an, ils font quelque chose ici, ils se réunissent. Je crois que c'est au mois de juillet ou au mois de septembre, je ne sais plus. C'est chouette, hein, cette entrée, j'adore. Regardez cette porte, elle est sympa, on va la regarder de l'autre côté. C'est chouette. Et il y a une date, c'est marqué 1742. Il y a une première fontaine qui est là. On va aller la voir. Très sympa la petite chapelle là. Dommage qu'elle est fermée. Jolie comme tout. Un bel espace. Et on a gros bébé qui est là-bas. Virgile, on s'est mis là-bas, on est tranquille. En plus, on gêne personne. On est au bord du chemin. Juste, quoi, il y a 20 mètres après, il y a un gîte. Avec, enfin, les gens habitent sur place, les propriétaires du gîte habitent sur place, mais ça va, ils ne nous ont rien dit. On est là depuis mercredi. Et on est vendredi. Donc on va aller voir une des premières fontaines qui ont des pouvoirs guérissantes. Là, celle-là, je crois que c'est rhumatisme et maladie de la peau. Donc les gens viennent hein, en pèlerinage encore. Hein. Ça, c'est la fontaine Saint-Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous voyez... J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. C'est sous forme de caveau. Parce qu'en fait, les gens ils rentrent dedans pour se baigner. Pour s'immerger. Bon, je ne le ferai pas, hein, j'avoue que... Bof. Vous trempez le tissu dans la source. Vous mettez là où vous avez mal. Et vous le raccrochez. Et ça vous guérit. J'essayerai pas, j'ai mal nulle part. C'est bête, hein?